Hey, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt pour regarder cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, partons dans un univers steampunk mélangeant habillement, humour, action et mystère. C'est parti pour City Hall de Guillaume Lapeyre et Rémi Guérin. Nous sommes donc plongés dans un univers steampunk où depuis plus de 200 ans, le papier a disparu de la surface du monde. Et la raison en est simple, tout ce que l'on écrit sur du papier prend vie. Du coup, je suis en train de me demander si c'est pareil pour le PQ, est-ce qu'il y a encore du PQ? Dans cette série, on va commencer avec l'apparition de Black Fowl, sûrement le plus grand esprit criminel de cet univers. Et il va donc bien évidemment commettre un crime, puisque c'est un criminel. Sur le lieu de l'incident, l'inspecteur-chef va découvrir une feuille de papier sur laquelle est inscrit un acte. Mais que diable signifie tout cela? Et qui est donc le mystérieux Black Fowl? Les forces de police de City Hall vont donc faire appel aux deux plus fines plumes de Londres, Jules Verne et Arthur Conan Doyle. Et c'est alors que l'histoire et donc l'enquête va donc pouvoir commencer. Amelia Earhart va donc rejoindre nos deux jeunes héros afin de les aider dans cette mystérieuse enquête. Et elle a bien fait. À eux trois, ils formeront un trio assez imprévisible. Nous ferons donc également la rencontre de différents personnages tels que par exemple Victor Hugo, Edgar Allan Poe, Harry Houdini et bien d'autres. Le manga est donc une longue enquête, dans un univers steampunk que l'on voit pas forcément souvent dans les mangas. On ne cesse constamment d'apprendre des choses sur les personnages, des choses vraiment, vraiment incroyables et totalement pas prévisibles. Et c'est vraiment ce que j'aime avec ces auteurs, c'est qu'ils manient leurs personnages avec un talent complètement ouf. City Hall est une série de 7 tomes publiée en 2012 et dans un sens de lecture européen. Le duo d'auteurs que sont Guillaume Lapeyre et Rémi Guérin est assez incroyable. Il mélange un style graphique qui déchire avec un scénario qui ne fait que vous surprendre et vous donne tout le temps envie de savoir la suite. Le dessin de Guillaume est plus orienté vers la BD. Mais ce n'est pas du tout gênant, car il convient parfaitement à ce qu'écrit Rémi. Le tournement de situation, humour, aventure, mystère, cliffhanger sont au rendez-vous dans City Hall. Un manga vraiment intéressant et surprenant, et des auteurs qui sont complètement passionnés par leur boulot et ça se sent complètement. Personnellement, je pense que City Hall fait partie des séries à avoir impérativement chez soi. Si jamais tu décides de craquer pour cette série, je te conseille de commencer directement par le coffret de la saison 1. Déjà, si avec ma vidéo je t'ai donné envie de le lire, c'est vraiment super, mais si jamais tu veux faire une bonne affaire, prends le coffret, il est sublime. Mais vraiment. Et les couvertures exclusives retrouvées dans ce coffret sont vraiment vraiment belles. Évidemment, je n'ai pas été payé pour vous parler de ce coffret. C'est juste mon avis personnel que je vous donne si jamais vous avez envie de commencer cette série. Ces deux auteurs vous disent quelque chose? Rien de plus normal. Ce sont également les auteurs de Booksters, le manga français dont j'ai parlé dans ma première vidéo. Et le tome 2 étant récemment sorti, je vous ferai donc bientôt une nouvelle vidéo pour en parler. Vous êtes de plus en plus à me suivre et ça me fait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas que pour vous en remercier, il y a un concours de la vidéo numéro 10. En tout cas, ça me fait plaisir de voir que vous êtes toujours chaud, au taquet et que vous aimez ce que je fais. En tout cas, pour moi, c'est du plaisir total à réaliser toutes ces vidéos et je vous en remercie de les regarder. Il y aura bientôt une vidéo spéciale, ce sera un peu comme un vlog où je vous raconterai un peu ce qui va arriver prochainement, car je compte aussi faire un peu d'autres choses que les vidéos pour vous présenter des mangas. Et bien évidemment, un bisou sur tes fesses.